on va découvrir le fonctionnement de la machine. On va découvrir comment on se met en sécurité, comment on met les enfants en sécurité. Et on parlera un tout petit peu de la réglementation, ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ce type de machine. On est ravis de pouvoir bénéficier de ce vélo-bus parce qu'on a de beaux espaces, on a peu de possibilités d'aller aussi loin habituellement avec des enfants qui sont jeunes et qui vont avoir un temps très court au final de marche, de pouvoir les amener voir d'autres choses sur le territoire et de continuer à axer nos pratiques sur les extérieurs. Ça permet de sécuriser les parcours d'emploi, ça permet aussi de sécuriser au niveau de la capacité d'avoir des plein temps, des gens qui sont titulaires, et puis aussi un parcours de formation qui permet d'avoir une culture commune et puis d'avoir un niveau de formation de nos agents qui soit homogène. Ça permet vraiment d'avoir une logique d'ensemble et c'est là que l'intercommunalité peut porter sa voix. Mon aîné avait beaucoup de problèmes d'eczéma. Quand ils ont commencé à mettre en place les nettoyages un peu plus allégés avec juste le vinaigre blanc et moi à la maison, du coup, pareil, son eczéma s'est réglé. On a 25 structures, donc à peu près 150 professionnels qui sont engagés dans la démarche en même temps. Et donc l'idée, c'est vraiment de fédérer aussi ces professionnels autour d'un projet d'envergure commun. Et de pouvoir faire du lien entre les structures. L'étape suivante, elle va se concrétiser par des formations thématiques qui vont être délivrées par l'association La Belle Vie au mois d'octobre lors d'une journée pédagogique donc, qui rassemble l'ensemble des 150 professionnels. On a 500 assistants maternels sur le territoire, hein, c'est quand même important. C'est un métier qui tend du coup à parfois à être peu valorisé. Donc il y a ce gros travail qui est fait par les animatrices relais petite enfance hein, sur à la fois des temps collectifs qu'elles organisent sur tout le territoire, avec les enfants, avec les familles aussi. Et aussi, elle propose des formations, notamment ben, sur les enfants à besoins spécifiques, sur l'approche de l'environnement, en tout cas par le biais de l'enfant. Elles proposent aussi de l'analyse de pratiques.